Let's do King Julian style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre deuxième épisode, partie 2 sur Monarchie. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Nous sommes toujours perdus dans les terres des brigands afin de faire prospérer notre petite contrée, notre petit royaume et explorer les environs et les alentours. Mais allons-nous réussir à tenir le plus longtemps possible et découvrir tant de merveilles qui nous entourent, à part les petits lapinous qui trottent gentiment? Et allons-nous aussi réussir à prospérer? Eh bien, je vous laisse le découvrir. Bon visionnage. Ah ouais? Ok, bon, là, ils m'ont carotte des sous. Ils viennent avec carrément des béliers et compagnie. Mais, je vais pouvoir poser tout mon bazar, quoi. Et là, va falloir opter pour d'autres défenses. Ouais, faut vraiment que je mette un... Ok, takedown, siège. Je sais pas si je peux récupérer la machine, hein. Non, ils la détruisent. Ok. Je leur demandais de réparer ça. Donc moi, ils vont me voler mes sous-sous. Ouais, par contre, ouais, eux, heureusement qu'ils fuient. Bon, ils ont pour projet de reconstruire, mais voilà, je sais pas ce qu'ils foutent, mes archers, mais je vais en reprendre un, là. Ils mettent du temps à tirer. Il y en a deux qui viennent de mourir, c'est génial. Putain, vous déconnez, quoi. Je crois qu'il y a l'autre qui s'est replanté. Ouais, c'est plus sévère qu'avant, là. Hein. J'ai peut-être reconstruire direct au bout, les jeunes. Je vais voir si je peux reconstruire direct ici. Et si ça va me rebâtir l'autre mur. Mais bon. On va ramasser tout ça. Ok. On va s'occuper de ça. Et là, je vais prendre un villageois. Putain, ça déborde. J'espère que c'est pas perdu. Si ça déborde du tonneau, je vois pas pourquoi ça retombe pas au sol. Hein, mais bon. Ou alors j'espère que c'est vraiment pris en compte parce que sinon c'est chaud tendu. Donc on va voir s'ils rebâtissent à partir d'ici. Ça me reconstruit l'autre ou pas. Par contre, c'est pas des rapides. Donc on a dit qu'on allait en remonter d'autres. Non, tombe pas la pièce. On a encore besoin de toi. Je vais me prendre deux bâtisseurs là. 5 les jeunes. Ça fait mal, hein. Et donc, non, ça rebâtit pas le mur. Donc, on va reconstruire aussi ici. Je sais pas si je peux améliorer mes défenses avec la catapulte. Pas encore. Et là, je vais pas construire plus loin pour le moment. Ça sert à rien. Je vais voir s'ils m'ont installé tout l'autre bousin de l'autre côté. Et par contre, ce serait bien, c'est qu'ils arrivent à tenir un peu plus la position, parce que c'est chaud, quoi. Ouais, t'es fatigué. Bah, écoutez, je me rends de l'autre côté, hein. Ok, je viens de relancer le projet de construction. J'espère qu'ils vont se dépêcher. Je sais pas s'ils sont deux, eux. Ah, tiens, toi aussi. Ah, putain, ils sont déjà en train de se planter. C'est chaud, là. Non, ça va jamais avancer. Je sais pas s'ils peuvent le détruire là, mais et je sais pas. Ouais, je peux choper la mine. On va aller tester ça après. Venez par ici là, parce que c'est compliqué. Hein. Putain, il me faut full archer là. Hein. Ouais, je peux pas mettre des coups à moins de tourner mon cul comme ça là et de mettre des coups de sabot, mais. Et en plus, faut détruire la machine, quoi. Ah, des archers, les jeunes. Hein. Ah, merci bien. Ah, putain, c'est chaud. Hein. Ouais, si j'ai plus de défense... ils sont tous de ce côté. Ah merde, ils m'ont détruit le bâtiment principal. Bah, la mine, on pourra pas la voir. Ok, bah écoutez, c'était tendu. Bah écoutez, ouais, je vais relancer une session vite fait. Et puis on va essayer de se retrouver pour aller visiter la mine. Ok, mur, j'ai réinstallé la ferme et compagnie.
Je suis en train de construire une défense. Alors, ils m'ont inversé la map cette fois. La mine est de l'autre côté. J'y suis bientôt. Je sens bien que l'arbre me file une petite piécette. Comme ça, j'aurai accès aussi à la grotte pour aller chercher bah, les petits kikous qui sont cachés dedans. Pendant qu'ils me construisent tout ça, je vais faire un tour de l'autre côté. J'ai trois archers potentiellement qui peuvent arriver. Un constructeur. Je sais pas ce qu'il fout lui. Putain, il veut l'aumône, mais j'ai pas de pièces sur moi. Alors attends 2 secondes. J'ai mis du monde, je crois, à la ferme. Et s'il me manque quelqu'un, je vais lui donner une pièce, comme ça ce sera fait. Il est où là? Ah, tiens. Ah, comme ça, si tu deviens archer, c'est pas plus mal. Donc, 5e jour. Et donc, ouais, bon, lui il se pointe avec de l'or, ça va m'aider, c'est plutôt bon. Ah, il y a un petit pont, ce qui est plutôt beau. Donc, cet arbre-là, je peux pas le couper. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller là, comme ça. On va peut-être attendre. Là, je peux pas encore couper, c'est dommage. Ouais, la grotte, elle est juste. Enfin, la mine est juste là. Et comme cet arbre, je peux pas le couper. J'aurais bien posé mon. J'aurais bien posé un mur ici, quoi. Puis j'ai encore 2 catapultes que je peux mettre. Après, moi j'installe un mur jusqu'ici, mais pour défendre le pont, je peux peut-être mettre ça là. Ouais, non, ça me gaffe de mettre ça près du. Après du pont, j'aurais bien voulu foutre ça par ici, quoi. Mais là, les arbres, je peux pas encore les couper, donc c'est chiant. Donc ça, c'est juste ici. Et de l'autre côté, on sort direct de la forêt. Il faut que j'aille voir l'autre avec sa carriole. Ok, je viens de recruter un mendiant. Là, je vais prendre des bras. Hein. Donc là, j'ai eu de l'or. Ok, merci. Ouais, donc là on voit la ressource, ça se trouve, c'est des pépites hein, qu'il faut ramener tout simplement. Hein. Les archers, j'en ai potentiellement 2. Alors je vais laisser ça comme ça. Là j'ai un mur digne de ce nom. Faudrait que j'installe quelqu'un ici dans la catapulte. On l'a pas encore vu bah, nous rendre service. Donc ce serait bien, c'est que ça se mette à fonctionner quoi. Et j'espère que le type dans la catapulte ne va pas y aller une fois que j'aurai les deux archers qui seront dispo. Parce que sinon je vais être dans le caca. Sinon je peux aller faire un tour dans la grotte de l'autre côté. Ok, bon, a priori j'ai un mur qui. Ah non, j'ai pas construit de mur encore. Ah, viens par là, viens par là. Vous allez rester à 3 là pour taper. Quitte à mettre mes sabots là par là. Comme ça je mets des coups quand ils sont trop près. Non, pas besoin. Ok, par contre, toi, je peux peut-être réparer. Non, même pas. Je sais pas s'il y aura moyen. Je sais pas si ça se régène tout seul ou si eux, ils vont venir réparer. Bon, je. Ah, mais non, putain, j'ai repommé. Vous foutez de ma gueule ou quoi? J'en peux plus, là. Ok, les jeunes, cette fois-ci, ils m'ont remis la grotte. Enfin, du moins la mine, on va y arriver à droite. Elle est pas très loin de la base. Je vais mettre une piécette dedans là pour voir. Je sais pas s'ils vont la retaper, mais si ça peut déjà me produire de l'or. Bah écoutez, voilà, hein, comme ça sera fait. Hein. Je sais pas si je peux direct mettre une défense ici là, mais. Je pense que tant que j'ai pas rasé les arbres et pris du terrain, ça va pas le faire quoi. On va voir ce qui va se passer. Je sais pas s'il va la. S'il va aller bosser dedans surtout. Ou s'il va la remettre d'aplomb quoi. Vas-tu rénover la mine? Mets-toi derrière l'archer. Hein. C'est con avec l'ombre du rocher. On va se mettre par là.
Je sais pas s'il est en train d'y bosser ou s'il la répare, mais c'est long, hein. Moi, je viens de bien de perdre du temps. Bah écoutez, on va attendre, hein, mais... moi, je suis juste là. J'ai toujours pas de défense. D'ailleurs, je suis en train de perdre du temps, mais il faudrait peut-être déjà que j'installe ça, là. Là, merci. Ouais, les pièces directes. Les constructeurs à côté. Ah, écoutez, je m'avance vers la mine. Et on verra bien ce qu'il en de quoi il en retourne après. Hein. Et cette fois-ci, tout à l'heure, j'étais parti sur les relais animaux. Là, je vais prendre les arbres. Ok. J'ai mon constructeur qui se repointe ici. Alors, j'aimerais bien voir ce qu'il s'il répare. Ah, attendez. Il a fini. Il m'a chopé. Il m'a chopé de l'or. Bon, je vais pas relancer parce que j'ai qu'un constructeur. Je sais pas si ce sera aléatoire ou peut-être qu'en upgradant tout ça, après, il récupérera peut-être des pépites d'or. Mais on va attendre que ça se fasse. Et j'aimerais bien limite mettre mon rempart plus loin, quoi. Déjà déblayer la zone et je vais essayer de m'avancer, de construire mon mur est juste derrière. Hein. Moi, c'est juste à côté. Ok, mur, je vais me promener à l'autre bout de la base. Il y a carrément ce bâtiment-là. Je sais pas ce que c'est. J'ai cru qu'on était en pleine nuit. On va rentrer dans... Oula, oula, oula. Ah ouais, ça se trouve, c'est leur... je sais pas si... Non, ils me poursuivent pas. Ouais, ça se trouve, c'est leur base ennemie. Enfin, c'est la base ennemie, surtout. Et c'est de là dont ils déboulent. Putain, il va me falloir une big armée pour aller leur rendre visite. Moi, je vais rentrer à la maison. J'ai recruté pas mal de monde. Je vais voir si je peux relancer ou pas, si j'en ai qui sont au chômage. Et on se retrouve après. Hein. Ok, les jeunes, c'est con. C'est que je peux pas capturer... Du moins, détruire les arbres. On se rapproche de chez eux, par contre. Et là, mes piécettes vont déborder. Je vais construire mon mur juste devant. Hein. L'entrée, ouais, je vais mettre là. Merci bien. Là, on a pas mal d'archers et compagnie, mais c'est pas encore ça, quoi. Pareil, j'ai un coffre et tout, ça déborde. Je vais en remettre 3. Je sais pas si je peux upgrade, pas encore. Il me faut mon autre tronçon de mur de l'autre côté. Là, je peux aller choper les sous. Et faut que je recrute aussi. Je sais pas si de l'autre côté, à gauche, il y aurait des manants. Donc, il faudrait que j'aille voir. Et comme ça, peut-être que je vais pouvoir recruter du personnel. Je vais mettre 2 marteaux au moins. On a 4 arcs. Là, je peux pas. Et je vais aller voir s'il y a du people de l'autre côté. Je pense qu'il y en a qui ont dû mourir entre-temps. Donc, c'est un peu chouchou l'asticot. Ok, donc là, il y aurait bien la petite mine. Je suis pas loin de du cadran solaire. Donc là, j'ai le fanion. Mais j'ai pas de glandu. Bah là, j'ai aussi une autre. Ça se trouve, je suis au bout de la map, l'hygiène. Je vais partir de là parce que ça va être compliqué. Ça se trouve, faut les détruire de chaque côté pour pouvoir l'emporter. Hein. Donc, peut-être éviter de trop s'étendre. Là, ça va être un peu compliqué si je vais aller les chercher. Je sais pas si de l'autre côté, il y aura du people. Je crois qu'il y a une tente pas loin. Et là, je peux pas encore couper les arbres. Donc c'est tendu, tendu, on n'est pas loin de chez eux. Alors là, je peux les couper. Je vais le faire. L'autre, il se pointe avec son chariot, donc on va faire ça comme ça. Et puis, je vais essayer de monter une... Ah, mais si je vais dans la cave avec eux et que tous les archers me suivent pas, c'est chaud, quoi. Parce que si j'y vais qu'avec celui que j'ai avec moi, là... Ah, j'ai pas fini, hein. Je vois pas comment je vais pouvoir. Sauf faut... Des engins de siège ou un truc du genre pour que ça passe quoi. Et là, il me faut une piécette pour relancer la machine. Ok, Mur, je suis parti dans une grotte qu'il y avait à gauche. Et là, il y avait carrément un trésor. Upgrade you pooch. Ah yes! Et j'ai pu agrandir mon tonneau. Ah putain, il est là. Par contre, je suis dans le caca. Faut que je me dépêche de passer. Ah merde, je l'ai. Elle est morte. Vas-y, dégage. Way, way, way. On va remettre les trucs à fondation. Par contre, ouais, ça tire hyper loin. Là, il se rapproche. Ouais, non, sauvez-vous. Passe-moi les sous. Ah, par contre, j'ai pas mal d'archers. Donc,
Putain, ça devrait tenir, mais si l'autre il vise et qu'ils ont le temps déjà de courir, la catapulte elle sert un peu à rien. À moins qu'elle soit plus efficace quand il y a des engins de siège. Mais sinon là, c'est ridicule. Donc, ah bah celle-ci. Ouais, celle-ci j'avais déjà faite. Putain, je me suis fait avoir, bon tant pis. Donc là, ils vont réparer ça. Celle-là, c'est fait. Je vais peut-être pouvoir m'étendre un peu. Ouais, je vais remettre un. Bon là par contre on est peut-être un peu près. J'ai recoupé les trois arbres là plutôt d'abord. Je pourrais pas en couper d'autres donc comme ça c'est fait. Le petit jour se lève, ils auront le temps de couper. Je viendrai installer des renforts après. Là je peux pas renforcer. Donc ils sont pas mal. Mais pas encore assez nombreux. Normalement là ouais voilà à la ferme je vais pouvoir récupérer des sous-sous. Là je peux recruter de nouveau quelqu'un. Donc eux, faut encore attendre un cycle, là il n'y a pas de nouvelle offrande. Bon ça je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Je vais reprendre un archer. Putain, ouais, les constructeurs, je vais arrêter, je veux surtout des archers moi. Là ils ont l'air de faire la grimace quand ils ont des sous sur eux quoi. Là on va re-réparer. Alors, je suis désolé si on entend mon chat faire ses griffes derrière. Ça pour farmer un peu d'or. Et c'est vrai que mon archer il est mouru. Alors je vais t'offrir une petite pièce toi. Prends une pièce au sol. Normalement s'ils en ramassent une, ils me suivent après. Bon faut que je lui lâche vraiment dessus. Ouais voilà, faut que je lui lâche dessus, comme ça il me suit. Je sais pas si alors, les autres, si j'arrive à les viser convenablement. Est-ce qu'il me suivrait pour partir à la bataille? Non, ça a pas l'air. Je peux pas en avoir plus d'un avec moi. Hein. Ok, bah écoute, on va faire avec. Et là, faudrait limite que je renforce d'abord par ici. Avant de faire de l'autre côté. Peut-être raser ça d'abord. Et recruter deux autres pèlerins. Là. Bon, s'ils sont trois, je vais relâcher une pièce. Non mais t'es sérieux ou quoi? Tiens. Ouais, comme ça je vais avoir des archers en plus là. Bah, écoutez, j'espère que ça va le faire. Hein. Ok, bon l'archer qui était avec moi vient de mourir. Ah, putain, mais mets-lui un coup dans le derche là. Putain, mais retape-le là. Putain, si je peux mettre un coup toutes les 2 minutes, j'ai pas fini. Hein. Je sais pas si j'ai des soldats qui sont. Des bonhommes qui sont encore dispo. Je vais mettre deux fournées d'archers là. Ouais, défendez-vous. Alors lui, je vais pas raquer pour. Je vais surtout m'en prendre encore un archer. Eux, ils vont aller réparer. Je vais ramasser mes sous. Et 10e nuit. Je crois que là on a tenu plus longtemps. Ouais, je vais en remettre un ici. Ils vont aller me construire mes remparts là. Et puis bah après là j'ai plus rien pour upgrade. Hein. Donc ils vont finir tout ça. Et puis bah ma zette là on est pauvre. Hein. Ok, mur à gauche, j'ai quasiment atteint. Je suis à même pas 10 mètres de la base ennemie. Ce qui est assez compliqué. Et j'arrive toujours pas à gauler les ressources pour. Je vais améliorer mon mur ici, ça me semble pas mal. Ouais, j'ai pas les ressources pour améliorer ma tente là. Je sais pas si je peux les trouver plus loin ou si ça se trouve dans une des grottes. Ou du moins des bases de repères des autres bousins là. Mais ça s'avère assez compliqué. Et là, je suis pas loin de chez eux. Il y a encore un peu de chemin. Il me reste un mur à monter, mais je préfère encore attendre. En plus, la nuit tombe, donc c'est un peu compliqué. Je vais détruire les trois arbres qu'il y a là. Et ils sont de l'autre côté. Ah, je peux prendre aussi celui-ci. Et là, ils sont de retour. Allez, j'ai une fois rentré à la maison, là. Donc là, ils sont tous dans le coin. Donc, écoutez, je vais rester ici. Alors déjà, il faut que je recule pour éviter que mon archer ne meure. Là, lui, je lui mets un coup. J'avance. Vas-y, on est parti, là. Ah, oh, putain, il vient de mourir.
putain, ils peuvent pas se prendre un coup dans le derche. Là, il faudrait que je remette un mur, là. Hein. Je vais peut-être pas aller jusqu'à chez eux. Mais il faudrait que je remette un mur avant pour qu'ils puissent s'arrêter de nouveau. Ça me semblerait pas mal. Je pense que je vais le foutre par là, hein. À mi-chemin. Putain, ils sont de retour. Ok, on va essayer de tenir bon. Ah, toi, je te dégage. Toi, je te recrute. Vas-y, mets un coup. Ok, bon, ça a tenu. Là, je vais refaire ça. Là, ils vont devoir tout me réparer. Et je pense que... Ouais, ici. Je vais rebâtir un mur ici. 12e nuit. Et il faudrait que j'aille voir plus loin par chez eux, mais bon, ça va être compliqué. Ok, les murs, ce sera notre dernière découverte. Alors, je suis passé devant le camp ennemi. J'y vais activer le moulin, là, pour voir. Et là, il y a aussi une statue. Et je sais pas si j'ai... Putain, il me manquerait une pièce. Ah, faut que j'arrive à gauler une petite pièce, là. Et là, il y aurait un marchand, genre... Ah ouais, ok, c'est quoi? C'est des pics? C'est des défenses? Ah, nickel. Bah écoutez, on va aller s'installer ça, hein. Alors par contre, je crois que je vais plus avoir de sous pour la statue. Et je vais sûrement devoir couper l'épisode en deux parties, là, parce qu'au final, ça va durer. Que j'arrive à faire un raid sur leur camp. Alors j'espère que là je vais pas être dans le caca en repassant. Surtout que l'autre il est à la traîne derrière. Bah écoutez, je vais essayer d'amasser assez de sous pour la statue. On verra bien ce que ça donne. Et là je suis fatigué. C'est pas bon pour moi. Je suis fatigué juste devant chez eux. N'est-ce pas avec un seul archer que je vais m'en sortir en rentrant dans leur base quoi. C'est pas possible quoi. Faut que j'arrive à faire en sorte qu'ils me suivent ou alors que j'arrive à avoir d'autres troupes aussi. Hein. Sinon, faut que je les tatane les uns après les autres. Mais après, si je rentre à chaque fois et que j'en tue un et qu'il repop au final et que je suis obligé de recasquer, ça va peut-être être compliqué. Mais bon, je crois que là, j'ai les sous pour la statue. Ok, mur, on va s'installer des pics. Ils sont juste là. Donc, je vais foutre un pic ici. Voilà, je vais en foutre tout le long. Je vais en foutre au moins 3 de chaque côté. Ça me semble pas mal. Mais alors je sais. Ah, c'est peut-être des pièges qui sortent du sol. Après, s'ils pètent le mur, je peux peut-être en remettre un là au cas où. Voilà, ah, merci bien. Et je vais aller foutre les autres de l'autre côté. Et on va prendre la statue également. Ok. Kill a bandit with a trap. Ah merde, on a loupé ça. Ils sont morts de l'autre côté. Alors, je sais pas si les pièges, c'est temporaire ou s'ils sont persistants. Ouais, je peux en remettre un à la mine. Merci pour les sous-sous. Ils commencent à picoter, là. Merde, j'en ai un qui est mort. Faut que j'en recrute un. On va se mettre là. Ah bah, pire des cas, les jeunes... Putain, je peux... Si je peux mettre un piège là. Oh, putain, c'est pareil. Oh, je vais mettre un piège ici. Ça, on va voir. Hein. Ouais, ok. Le piège est sorti. L'autre, on l'éjecte. Après, ça se trouve, il sera actif. Il sera actif le soir. Ok, faut que j'en remette d'autres là. On va remonter ça, quitte à en mettre un juste ici. On va remettre du monde, ça se trouve le type qui était dedans, il est mort. Et je vais remettre
Deux pièges ici. Je crois que j'ai pas construit plus loin, donc comme ça c'est réglé. Et là je vais aller voir la statue. Hein. Ah, par contre j'ai pas de garde avec moi là. Ça va être compliqué. Ok, kill a bunny with a trap. Ok, je peux même tuer des lapins avec. Ou peut-être du cerf et des bambis. Hein. Allez, vite, avance. Ok, on arrive à la statue. Alors, par contre, le... Ouais, non, je peux pas couper l'arbre. Alors, qu'est-ce que ça va être, ça? Ah, c'est pour que les bûcherons, ils aillent plus vite. Ah ouais, je veux bien qu'ils se déplacent plus vite, parce que vu la trotte qu'ils ont à faire... Ou qu'ils coupent, qu'ils aient plus de force pour couper. Je préfère qu'ils soient plus rapides en construction et compagnie, quoi. Alors, je sais pas si lui, je peux lui racheter des pièges. Ah, merci bien. Et là, je suis arrivé au bout, hein. Je vois pas ce que c'est, les foutues ressources que je peux mettre dans ma tente. Ça se trouve, faut aller taper. Bon, là, je peux pas lui en racheter. Je vais installer mes pièges. Ouais, là, on a tapé un cerf. Ok. Bah, écoutez, on va essayer de tenter d'aller dans une grotte, là, dans un camp ennemi, mais c'est chaud, quoi. Ok, mur, je peux peut-être passer derrière ce campement aussi. Alors, c'est mes. C'est mes petits bonhommes qui. Mes constructeurs. Ah ouais, ça se trouve, c'est ça qu'il me faut, les jeunes. Il m'en fallait deux, je les ai. Ah, écoute, on va aller upgrade notre base. Et, ouais, donc c'est mes constructeurs qui réactivent les pièges. Donc là, j'en ai réinstallé de ce côté. Là, les arbres, je peux pas les couper. Lui, il est fatigué, donc on va aller direct à la base. Et puis, ma zette, ouais, faut pas que ça déborde. Et j'irai faire un tour plus loin de l'autre côté. Donc là, ils m'ont réactivé tous les pièges. J'en ai réinstallé aussi en chemin. J'ai évité de ramasser les coffres et les sous-sous. Et on va directement voir ce que ça va donner. Ok, nous voici, nous voilà. Donc là, je peux les mettre. Ok, il se trouve, c'est du bois spécial qu'il faut. Je vais reprendre. Aussi des constructeurs, là. Et des archers. Je vais mettre ça au max. Ils peuvent pas me filer les sous-sous vu qu'ils sont en train de bosser. Ça, je viens de le faire. Eux, ils sont allés dormir. Ah, peut-être que là, je vais pouvoir mener un assaut et un combat digne de ce nom, quoi. Ok. Upgrade to a wooden castle. Ok, parfait. Et là, il va me falloir trois autres ressources. Je sais pas si c'est des noisettes ou quoi, mais bon. Donc, j'ai quoi de neuf? Je peux remettre un deuxième champ. Et j'ai de l'espace par la légende. On va mettre ça ici, hein. Je vais mettre une ferme de chaque côté. Là, j'en ai une autre. Là, je vais la mettre là. Ah, si, je vais la mettre là. Ok. Et une petite maison à côté qui va bien. Et forcément, je peux pas. Est-ce que je peux la foutre par ici? Ça gêne de chaque côté, quoi. Ok. Build de 3 fermes. Ouais. On va faire ça comme ça. Là, me dites pas que je peux pas... Ouais, j'ai toujours mon rempart. Une tour en plus que je vais aller foutre à droite. Et ça, je peux pas le mettre. Je peux améliorer mes murs, par contre. Je vais commencer par celui-ci. Et je peux améliorer mes catapultes aussi. Je vais améliorer celle-là également. Et je vais ramasser toutes mes ressources. Je vais lancer ça. Et on se retrouve après. Ok les jeunes, j'étais reparti voir le forgeron à l'autre bout à droite. Pour voir s'il pouvait me revendre des pièges. Malheureusement, en rentrant et en voyant qu'il pouvait pas m'en vendre, je me suis fait attaquer par des bandits. Et je viens de mourir. Ça m'a débloqué un succès. Et au final, en fait, ouais, dès qu'on a plus de pièces, notre roi finit par rendre l'âme. Bah écoutez, voilà, on ira découvrir les autres maps ou ce que peut nous offrir le chat en plus. Je trouve que j'aurais pu débloquer aussi un succès si j'avais construit les maisons des villageois.
Sauf qu'en l'occurrence, ça l'a pas fait. Donc la prochaine fois, bah écoutez, on essaiera de faire le siège. Bah après, c'est clair que c'est beaucoup, beaucoup trop long. Bon, maintenant, je sais que l'arbre me permet d'améliorer mon château. Donc je pourrais gagner du temps. Et chose qu'on n'avait pas vue ici d'ailleurs, hein, parce que l'arbre il n'y était pas dans la zone et l'introduction elle apprend pas tout quoi. Donc après faut vite bouger et en plus c'était buggé. Je sais toujours pas à quoi sert le fanion qu'on avait activé et qui faisait bugger la partie. Bah, écoutez voilà, j'espère que cet épisode sûrement deux parties vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et surveillez bien. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.